que vous allez bien. Ce matin, papa, il a joué dans la salle de jeu avec les enfants. Il a bien joué, papa. Il y en a de partout. Je vous dis la vérité, moi j'ai dormi un peu. J'étais KO et en fait, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai rêvé que j'avais mon frère, il était mort et tout. Enfin bref, et du coup, après, je me suis réveillée. Je voulais pas me rendormir. Après, j'ai fait que je me rendorme, mais bon, maintenant que je suis réveillée, je veux pas retourner dans le même rêve. Et je suis retournée dans le même rêve. Bref, tu connais ce genre de nuit là où tu rêves de ça, c'est pas marrant quoi. Papa, voilà. Il est là. Oui, il est là, mon doudou. Et du coup, là, ben, c'est la journée, c'est le week-end des enfants. Donc, Mylon, il s'est quand même levé tôt encore. Mylon, le week-end, tu peux te lever plus tard. Hein. Liwen s'est levé plus tard. Et voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Du coup, ben, on va aller au mall. On a plein de choses à acheter puisque Mylon, il commence la piste. Mylon. T'as fait pipi? Mylon, il commence. La piscine lundi, donc il lui faut bonnet, lunettes, etc., etc. Et on a plein de trucs à acheter au vol. On devait y aller. Oh là là, ça fait des pouces, hein. Allez, c'est bien le dimanche matin, pyjama on joue. J'adore. C'est trop bien. Ça... En pyjama on joue. J'aime tellement être bien bronzée comme ça, j'adore, je vous jure. D'ailleurs, je voulais vous montrer mes draps. Voilà. J'ai dormi cette nuit et j'ai pas de traces. Et pourtant, j'ai les draps blancs. Quand je vous dis que ça tient bien, ça tient bien. Ça fait trop, trop beau. Je vous jure, j'aimerais trop que Ayatan, elle soit. Qu'elle vive à Dubaï. J'y serai tous les une semaine, 10 jours. Je vous jure. Ça donne de suite bonne mine. J'aime trop être bronzée, mais c'est juste qu'avec ma crème 50 tout le temps, j'arrive pas. Voilà, c'est vraiment le goal du bronzage. Bon, là je me suis trompée, j'ai dit qu'on était dimanche, mais en fait on est samedi, je me suis trompée, mais c'est pareil, c'est le week-end, vous avez compris. Là du coup on est tous en voiture, on part direction le mall, on va y passer une bonne partie de la journée puisqu'on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à apprendre pour les petits chats. Ah, tu me pousses carrément? Liwen s'est fait un petit caca dessus avant de partir. Voilà. Je sais pas ce qui se passe. Tu m'as fait des petits accidents. Hein? Ouais, non? Bah si. Et voilà quoi. Bon, c'est pas grave. C'est parce qu'elle avait le rythme de la maison. Peut-être que l'école ça l'a un peu perturbée. À Mylon. Ouais, à Mylon. Ouais. Mais c'est pas grave. Du coup, on l'a changé juste avant de partir. Quelque chose qui me rend ouf, c'est que Mylon il nous a toujours suivi dans les magasins et tout, il a toujours bien regardé à ce qu'on soit à côté de lui. Elle se barre, c'est à dire qu'elle regarde même pas où on est, elle fait sa vie, mais elle nous cherche même pas en plus. Voilà, elle se balade, elle boit son eau. Non mais ça me rend ouf, elle nous cherche pas, ça me rend dingue ça. Je sais pas, regardez, mais elle trace, je pleure. Ça va? T'as fait une bonne balade? T'as bien baladé? Yola. Zéro de l'eau. Yola, maman. Ouais, quoi? Zéro stress de pas nous voir, genre zéro, genre en détente, en full détente. J'ai pris un cours de paddle pour lundi. J'ai acheté ma raquette de paddle. Regardez comment elle est belle. Très fière. J'ai demandé au monsieur une raquette qui fait gagner. Il m'a donné celle-là. Je vous explique. On est venu manger au food court. C'est un endroit là où il y a plein de restos. Il y a tout. Genre tout. McDo, Burger King, pizza, tout. Réunis dans un immense concept. Et du coup, ben là, tout le monde est parti dans tous les sens. C'est n'importe quoi. On va bouffer de tout. Petite chicken fried rice pour Liwen, elle se régale. Voilà. Mylon, elle a voulu le petit nugget street burger. Et nous, on s'est mis un peu à McDo. Et il y a les kebabs qui arrivent. Voilà. Trop rigolo parce que moi, je fais. Viens, Mylon, là, viens.
moi je fais diversion et papa il est. Mylon il nous montre tout ce qu'il veut pour son anniversaire. Et moi je fais diversion. Là Mylon, viens, regarde par là. Et à chaque fois qu'il nous montre un truc, il y a le monsieur, il passe derrière, il récupère, je lui fais des clins d'œil. Trop mignon, il sait pas lui. En fait là il croit qu'il nous fait sa liste d'anniversaire. Mais mort de rire. Il y a Mylon, il s'est fait un sac à dos de jouets et tout. Et là, Liwen, elle est fatiguée. Elle est de mauvaise humeur, mon cœur, c'est pas Rabelais, là. Tu sais quoi, elle est très fatiguée. Liwen, elle a une demi-heure de retard, enfin une heure de retard sur son dodo. Et là, du coup, elle est dans un bad mood. Et il y a Mylon, il arrive, il fait maman, t'inquiète, j'ai pris des jouets pour Liwen dans mon sac à dos. Je lui ai pris des princesses. Mais t'en as pris, Mylon? Il m'a dit, j'ai pensé à Liwen, j'ai pris des princesses. Que d'amour pour mon fils, il était incroyable, vraiment. La pauvre, je lui ai dit attends une minute, je vais te porter dans ton lit, mais elle galère à résister. Comme ça, je te coupe à ton sommeil, comme ça, je te pose et tu t'endors de suite. Ok, mon chat? Oh oui, on est arrivé, regarde, on est à la résidence. Lui, se régale, il va faire la sieste. Ouh là là, que c'est fatigué ça. C'est dur là, hein. Oh, c'est dur. Tu sais qu'on y est dans 40 secondes? 40? Ma princesse. Elle a enlevé ses chaussettes et tout déjà. Elle m'a dit dodo maman, je suis fatiguée. Je l'aime trop. Mon amour. Lily, on y est. On y est, Lils. On est arrivé. Allez, je te porte. Aïe, on y est presque, Toto. On y est presque, mon amour. On y est presque? Ça y est, t'as tenu? Il restait 3 minutes. Oh oui, c'est dur. Allez, vite. Vite, maman, elle se dépêche. Je t'aime. Tu vas faire un gros dodo? Je te bouffe. Dodo. À tout à l'heure. À tout à l'heure, joli papillon. Je t'aime. I love you. Too much, too much. Bon voilà, elle va pouvoir se reposer pour 2 heures. C'est trop mignon. Dit maman, je suis fatiguée dans la voiture. Fatiguée, maman. Si elle s'endormait dans la voiture, après je sais ce que ça fait. Ça lui, dès que je la porte, elle va